Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Abraham Mordechai Ben Israël Bethany Dvora Bat Esther et Charlie Shalom Ben Germain Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, Michel, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Yevamot, Perek Yud Bet Mishnah Vav, Mitzvat Khalitsa. Bahu vivimto le Bet Din Vehen, Messinlo etza hogenet lo. Shenemar, Vekar Ulo Zikne Eiro, Vediberu Elav. Vehi omeret men yevami lehakim l'achiv shem beisrael, lo avaya bemi. Ve omer lo chafatsi la karta, b'lechon hakodesh ayomrim. Venigesha yevimto elav, le'enei hazekenim, vechaltza na'alo me'an reglo, veyarka befanav, rok anir'a la dayanim. Vanta v'amra, kacha ye'ase la'ish asher lo yivne et bet achiv. Ad kan hayu makrin. וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר איתם וגמר את כל הפרשה, הוחזקו להיות גומרים את כל הפרשה. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מצווה בדיינים ולא מצווה בתלמידים. רבי יהודה אומר, מצווה על כל העומדים שם לומר, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ הנעל. Là, on est concrètement dans la mise en place, comment on la réalise. C'est très simple. Si vous voulez, vous ouvrez dans le parashat Kitetsé. Perek Dvarim Chafhe, je ne sais pas quel psukim, vous allez voir, c'est une grande parasha, la Khalitsa. Et en fait, toute la Mishnah, elle va marcher en parallèle. La plupart des phrases de la Mishnah, en fait, c'est les psukim qui sont plus ou moins commentés. Et donc la Mishnah, elle me dit comme d'abord, Mitzvot Khalitsa. Comment on réalise la Mitzvot de Khalitsa concrètement? On a parlé de manière générale. Jusqu'à maintenant, quel type de chaussures? Comment. Mais maintenant, on va s'intéresser au. Comment dire, au rituel concret, comment la procédure. Alors, Bahu vivimto le betdin, c'est marqué dans la Torah, Ve'alta yevimto a sha'ara. Elle devra monter au sha'ar, le sha'ar c'est le bet mishpat. Donc, ce que le Mishnah dit, Bahu vivimto le betdin, il vient lui et la yevama, ou betdin. Ven masinlo et sa oganetlo. Et alors, les dayanim, avant d'abord de procéder à la khalitsa, ils vont d'abord lui donner un bon conseil. Ça doit lui donner un bon conseil. D'abord, on traduit, après on explique. Chez Neymar, comme le Pasuk nous dit, Vekar Ulo Zikne Hiro Velibro Elav, comme le Betedin, comme le Pasuk le dit, qu'ils l'appelleront les Zikne Hiro, les juges, les vieux, les sages, et Vedibro Elav, ils vont lui parler. En fait, c'est quoi lui donner un bon conseil? C'est simple. On parle que si jamais on parle que. On est avec un Yavam qui est tout jeune, et une Yavama qui est toute vieille, ouais, ils ont 20 ans d'écart. Ou le contraire encore. Alors on leur donne un bon conseil. On leur dit non, c'est pas fait pour vous de vous marier. Vous allez voir accomplir une mitzvah, de faire le yiboum, après vous allez vous retrouver en train de vous disputer constamment à longueur de temps. C'est pas comme ça qu'on fonde une maison. Vaut mieux pour vous faire le khalitsa. D'accord? C'est le conseil qu'on leur donne. Comme le pasuk nous a dit, que les sages vont l'appeler, ils vont d'abord lui parler, ils vont analyser la situation. Vei omer. Et après, donc, une fois que lui va conclure que. Il ne veut pas donc faire le hiboum, il va faire la khalitsa. Hi omeret, alors elle devra déclarer. En lisant dans le texte, c'est un pasouk. C'est un mot des mots du pasouk qui me disent. Mais en yevami le hakim l'achiv shem beisrael. Il a refusé mon yavam de donner à son frère une progéniture, de laisser à son frère un nom en Israël. C'est-à-dire que s'il se marie avec moi, on aurait laissé. Et j'aurais peut-être amené un enfant qui va être la continuité du mari. Mais maintenant, il a refusé d'être mekim, de dresser, de donner une progéniture ou un nom à son frère. Lo avaya yabemi, il n'a pas désiré me faire le hiboum. Vehu omer, et après lui devra déclarer, tout ça en lisant le pasouk, lo chafatsi la karta, et je n'ai pas voulu la faire, la prendre. Lashon HaKodesh HaYomrim, et il faut faire attention, il fallait que ce soit récité en Lashon HaKodesh, avec la langue sainte, je crois qu'on est même machmir sur ça pour les Sfaradim prononcer bien, avec prononciation Sfarad, avec les Chet et les Aïn, autant que possible, ouais. Et les Ashkenaz, avec toute la prononciation Ashkenaz, même ceux qui vont faire la Tfila de manière, ouais, c'est fréquent en Israël, les Ashkenaz par exemple, qui vont faire la Tfila en hébreu, avec la prononciation sfarad, parce que c'est comme ça que c'était admis dans le pays. Mais pour le yiboum, il faut faire attention à ce qu'il fasse avec la prononciation
Ouais. Mais Ein Yevomi, Lakim le Ochiv Shem. Je vais prononcer bien avec tout le. Ensuite, et idem aussi avec les Thémanim, mais voilà. Veni Gesha Yevimto. Après, une fois que maintenant, ils ont dit que elle a dit, il veut pas, et lui, il a dit, effectivement, je veux pas. Alors, Veni Gesha Yevimto, ça aussi, c'est un pasouk, mais là, c'est plus qu'il faut le lire. Mais la Mishnah nous raconte. Veni Gesha Yevimto Elav. Et là, Yevama va s'approcher de lui, devant lui. Léenia Askenim, aux yeux des sages. Vechaltsan Alo, elle va retirer sa chaussure, mais Al Raglo, qui est sur son pied. Veyarka Befanav, et elle crachera devant lui. Il y a plein d'alachot sur ça, qu'on a déjà précisé, donc quel type de chaussure qu'il fallait retirer, et elle, comment la retirer, c'est elle qui doit faire tout le travail, ça doit être mal à réglo, il ne faut pas qu'il y ait des chaussettes, donc ça directement sur son pied. C'est pour ça qu'on lave, si vous voyez le petit mini-film sur la Khalitsa, vous allez voir que qu'auparavant, on va lui laver le pied, avant de lui mettre la super chaussure. Vechaltsana, et après elle devra la retirer, mais elle réglo. Veyarka, elle crachera devant lui. Rok anir alayadanim, la dayanim. Il faut un crachat qu'il soit visible aux yeux des juges. C'est-à-dire, si elle fait juste un petit poussinement, ça ne suffit pas. Elle doit sortir un beau rok et un beau lard, d'accord, mais sortir une belle quantité, quoi. Une bonne quantité qu'elle soit, qu'au moment où elle crache, on voit que ça crée, que c'est craché. Et elle n'a pas besoin de cracher. Elle ne doit pas cracher sur le Yevam, elle crache devant lui. Veanta ve'amera. Et elle déclarera et elle dira: Kacha yeaseh la'ish asher lo yivnet bet achiv. Ainsi sera fait à l'homme qui ne voudra pas reconstruire la maison de son frère. Adkan ayum krim. Jusqu'à cela, jusqu'à ce pasouk, initialement, en fait, la Mishnah me raconte, je viens de réaliser quelque chose que je n'avais pas compris quand je préparais la Mishnah, même quand je dis la Gemara, maintenant je viens de le réaliser. Adkan ayum krim. Jusque-là, on lisait, c'est tout. Au début, dans un premier temps, dans Israël. Ici, dès qu'on était arrivé là, on fermait les livres et on disait à tout le monde bonne chance pour la suite, bonne continuité. Mais quoi? Mais il y a une histoire avec Rabbi Urkenos qui a fait lire Tachataela sous un arbre qui s'appelle une Ela, je ne sais pas comment se traduit en français. Bikfar Etam, il était dans un Kfar Etam, c'est Me Naftoach, c'est près d'Yerushalayim. En tout cas, là-bas, il y avait donc un arbre un peu spécial où là-bas, Rabbi Urkenos, il a fait faire la Khalitsa à une femme et un Yavam. Mais Gamar et Kol HaParasha, il a fini toute la paracha, on ne s'est pas arrêté maintenant, jusqu'à Kachaya Selech. Il a conclu toute la paracha où on lit ensuite le mot Betrelut Sanal, comme ce qu'on voit tout de suite. Alors, Urzekul Yod Gomrim Kol HaParasha, depuis cette anecdote avec Rabbi Urkenos Café, concrètement, qu'ils ont lu jusqu'à de toute la fin de la paracha, et bien depuis, c'est devenu maintenant que tout le monde lit jusqu'à la fin de la paracha. Et on devra donc lire ce passouk. C'est un passouk qui va me dire Venikash Mo Beisrael. Et son nom sera appelé, c'est-à-dire pour cet homme, on lui dira Bet Chalut Sanaal. La maison, on a retiré la chaussure. Alors quand il va passer dans la rue après, qui vient c'est ce que la Mishnah, le passouk, vous voulez dire. Tout le monde le prend traduction, c'est lui qui s'est fait retirer la chaussure. Dans le sens, on aurait préféré qu'il se marie avec elle. Il n'a pas voulu se marier. Ok? Donc du coup, c'est comme ça qu'on dit, Betra Lusanal. Qui doit dire cette phrase-là maintenant? Mitzvah Badayanim velo mitzvah batalmidim. La mitzvah, elle est dans les Dayanim, sur le juge, les 3 plus 2 éventuellement, mais pas sur tous les Talmidim qui regardent la scène. Ok? Ils n'ont pas besoin de dire Betra Lusanal. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, non, mitzvah al-kol ha-omdim sham lomar, chalusanal, chalusanal, chalusanal. Il y a une mitzvah sur tous ceux qui sont présents là-bas en train de regarder. D'ailleurs, si vous voyez dans les mini-films de nouveau, alors que quand il y a une khalitsa, il y a beaucoup de monde qui viennent voir comment à quoi s'attendre, si jamais les deux parties acceptent de laisser des étrangers voir. Et donc, du coup, tous ceux qui sont là-bas, la mitzvah me dit qu'ils devront tous dire le mot khalutanal, khalutanal. C'est comme ça que la mitzvah, elle doit être bien réalisée a priori. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, v'salam.